Sébastien Marc, Marie Nassiou, Quentin Alvian-Ambion, Mélissa Robin, Julien. C'est bien. On démarre le comité de l'Orléanais avec Damien Charreau, Romain Combeau, Stéphane Dugonier, Quentin Najdian, Andréon. Côté. Bretagne, 4 minutes 28 secondes, 100 millième, 4 minutes 28 secondes, 100 millième pour le comité de Bretagne, le temps du comité Côte d'Azur, 4 minutes 37 secondes, 167 millième. Le comité de Bretagne. L'enjeu donc est simple, la médaille de bronze pour ces deux équipes. L'Orléanais, maillot rouge et bleu, passe au maillot vert, blanc et bleu du comité d'Aquitaine. La médaille de bronze de ce championnat de France de poursuite par équipe junior homme. Et cette place sur la piste de la. Ce tournoi dont vous venez de voir l'épilogue, tournoi de poursuite par équipe junior homme. Et pour la sixième année, sixième fois consécutivement, la nouvelle équipe championne de France de poursuite par équipe junior et l'équipe du comité de Normandie, Laurent Devellier et Enzo Ville, ils vont se voir remettre les maillots de champion de également, bien sûr, les médailles d'or à quatre coureurs heureux, Maxime Daniel et Manoli. Et par M. Pelka, sous vos applaudissements pour le nouveau comité champion de France.
équipe junior homme, le comité de l'Orléanais. Avec Damien Charbon, Romain Pondreau, Stéphane Dégonné, Quentin Nathan Henrion, comité de l'Orléanais qui va recevoir la médaille de bronze. Les mains de monsieur Jean-Claude Malo et la tenue des championnats de Malo. Jeunesse des sports, monsieur Malo, qui remet la médaille de bronze aux coureurs orléanais Damien Charbon, Romain Combeau, Stéphane Digonné, Quentin Lajean, Henrion, médaillé de bronze. Voilà, monsieur Malo, n'oubliez pas de saluer bien sûr les lauréats. Les coureurs qui vont prendre place sur le podium. Champion de France, le comité de Normandie, la Marseillaise. Des médaillés de la poursuite par équipe junior homme qui donc va s'élancer pour un tour d'honneur. On va se préparer et mettre en place également la suite du programme avec le tournoi de course au point minime cadette. Ils sont à vous, les coureurs lauréats. Toujours extrêmement agréable à suivre. Discipline extrêmement exigeante qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, de cohésion. Ligne d'arrivée, ils sont à vous, les coureurs médaillés. Voilà, et on va demander aux concurrentes de la course au point minime cadette dame de bien vouloir se présenter dans l'air de départ.